avec moi le comédien Joaquin Phoenix. Je voudrais savoir si c'est votre désir d'Amérique qui vous a amené à vouloir tourner un western, ou c'est si le désir de tourner un western qui vous a amené à aller tourner aux États-Unis. Vous avez ajouté l'amour des chevaux. Non, c'est pas du tout comment je... J'ai pas une fibre très westernienne. J'avais pas non plus le désir forcené de tourner aux États-Unis. Et en revanche, j'avais depuis un moment l'envie de travailler avec des acteurs ou des actrices américains. Okay, so he really didn't want to shoot in the States. He just wanted to work with American actors, like you guys just were saying. Une question, madame la ministre. Si vous parlez très fort, on vous entendra. C'est pour l'enregistrement. Moi, je voudrais savoir si le fait que vous ayez souvent tourné dans des milieux urbains, quel plaisir vous avez pris à tourner dans des grands espaces. Exactement le plaisir qu'on prend à tourner dans des grands espaces. C'est sans blague. Oui, effectivement, votre question est judicieuse. C'est que je vais le dire bêtement, j'avais envie de tourner à la campagne. Alors, j'avais envie de nature. Comment vous avez trouvé tous ces paysages? Ces paysages, on les a trouvés en Espagne du Sud, en Espagne du Nord. Et toute une partie du film a été faite également pour tout ce qui est plaine et certains villages, ça a été fait en Roumanie. So Jack saying he was doing lots of shooting in the great outdoors, wanted to do it particularly in Romania. Une question, voilà ici la dame en rose. Merci pour ces très bons films et ces très belles interprétations à nouveau. Ma question s'adresse à la fois à M. John Cirelli et à vous, à M. Audiard. J'ai cru comprendre que vous avez échangé, que l'initiative venait peut-être de John Cirelli, que vous avez proposé l'histoire. Comment est-ce que vous, scénariste, vous êtes venu vous greffer sur l'histoire? Comment vous avez accueilli l'idée et comment John Cirelli est venu s'intégrer dans ce projet? Vous avez l'après-midi libre. So John, the question for you and for Jacques as well was, tell us about the origin of the project, how it started. For John Cirelli first? Yeah, go ahead, John. So the origin of the project in what house? Sorry. Yeah, how did it start? Did you bring it to Jacques? Like, tell us okay, about it. Okay, I'll answer in French. Ah. No, of course not. Si, par français. Typical American. Actually, it wasn't my idea. It was my wife's idea, Allison Dickey. She was working with Patrick DeWitt, the author, on another film. She asked him what else he had written. He suggested The Sisters Brothers, which was not published at the time. She read it, she gave it to me, and insisted that I read it, which is really the only way I read books these days, when people insist that I read them. And then it was also her idea to approach Jacques, and luckily, once we were in the capable hands of Jacques, everything just took off and started to make perfect sense. Voilà, donc John lui dit qu'en fait c'était sa femme qui a eu l'idée tout au début parce qu'elle était en train de travailler avec Patrick DeWitt, qui est l'auteur du roman. En fait, il travaillait sur l'autre projet. Et du coup, il lui a passé The First Sisters, qui n'était pas encore publié. Il a dit, alors voilà, voici ce livre, il est top. Elle l'a lu, elle me l'a donné. Et du coup, elle a dit, il faut absolument que tu le lis. Et John lui dit, c'est que quand on me dit, il faut absolument que tu le lis, que je lis des livres. Donc du coup, ça a commencé avec elle. Ensuite, c'est elle qui a eu l'idée de le donner à Jacques. Et Dieu merci, ça a marché. Il a pris. Et puis, depuis, on était dans les mains sûres de Jacques Audiard. C'était tout. Jacques, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est un récit précis et parfait. Donc, je pourrais juste ajouter une chose, c'est que si j'avais trouvé le livre chez mon libraire, j'aurais adoré le livre, mais jamais j'aurais eu l'idée d'adapter. C'est parce que c'est principe, parce que ça venait des États-Unis que l'idée est lui, sinon j'aurais jamais eu. Jack said if he had found the book in a bookshop, he would have read it and loved it, but he never would have made the movie without you and your initiative. Une autre question. Alors voilà, tout au fond, la dame en restant dit. Merci, bonjour. Question pour Thomas Bidgain.
Qu'est-ce que ça fait d'écrire pour un film avec des acteurs américains, et est-ce que ça vous donne envie, vous, éventuellement, d'aller tourner aussi aux États-Unis? So a question for Thomas, what's it like to write for American actors, and does he ever want to make his own movie in the States? Ce qui est formidable, c'est d'écrire avec Jacques. C'est vraiment toujours un plaisir. Je ne sais pas si ça a changé beaucoup, le fait qu'on travaille en sachant que les rôles allaient être interprétés par des acteurs américains. On ne savait pas qui c'est. On pense toujours au casting une fois que le scénario est terminé. Mais ça a été... non, ce qui est formidable, c'est de pouvoir écrire. Il sort du saloon, il monte sur son cheval, ce genre de phrase. Thomas is saying it's so great to write, like the saloon, he's on his horse, like you love that kind of Americana thing. Et c'était, moi j'ai une question, en fait, comment vous faites du coup? Vous avez écrit en français et c'était traduit par anglais, en fait, c'est quoi le processus? I'm asking if you wrote it in French, it was translated into English, like how did you do it? On a commencé par effectivement travailler en français avec Jacques, on a écrit le scénario, puis ensuite on a fait traduire, et puis moi je parle un peu anglais, du coup on est repassé sur la traduction ensuite pour être sûr, certain qu'elle était fidèle à ce qu'on voulait à l'esprit. Right, so translated, but they were really on top of it to make sure it was right. Ok, ensuite, voilà, le monsieur là-bas, on veut. C'est une question pour Jacques. Est-ce que ce qui l'a intéressé dans ce projet, c'était l'écho à notre époque moderne et en même temps aussi l'écho à sa propre filmographie, aux thématiques qu'il développe habituellement? L'écho aux thématiques que je développe habituellement, alors là c'est un petit peu qui de l'œuf, qui de la poule. Oui, c'est que je pourrais botter en touche, mais ça serait un petit peu bête, je pourrais vous dire, là, tout était dans le livre. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais pourquoi le livre m'a plu, c'est sans doute pour ce que vous évoquez là. Oui, il y a des thèmes de l'héritage, il y avait quelque chose que j'ai mis du temps à voir dedans qui était vraiment le thème de la fraternité. Ça peut paraître bizarre, un film qui s'appelle Les Sister Brothers, moi ça m'a pris du temps. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi l'autre bout de la question? Ça, c'est un thème westernien, c'est vraiment sur la sauvagerie, l'héritage de la sauvagerie. Qu'est-ce qu'on va faire de la violence que nous ont léguée les pères fondateurs, hein, c'est ça. Et est-ce que s'il y a une utopie, elle a un prix? Voilà, c'est un peu sommaire ce que je vous réponds, mais c'est tout ce que j'ai. Il y a le retour à la nature, il y a aussi... Oui, mais comme vous vous rendez compte, comme il est sanctionné, c'est pessimiste. Alors, qui d'autre? I would say thank you, John Frost, for the beautiful closing shot. I think that was an obvious reason for that. What are you thinking about the traumatic story from the searchers and the parallel with this story, the trauma and the violence and the past? C'est pour ça que je crois compris la question, et c'est pour ça que naturellement je me tournais vers Thomas, parce que Thomas a une connaissance beaucoup plus importante que la mienne, qui est vraiment lacunaire sur le western. Jacques said he doesn't know that much about westerns, so he can't really answer this question about the searchers. Thomas, vous voulez en parler? Oui, non, La prisonnière des déserts, un immense film, bien entendu, mais je crois que ce qui nous a inspiré, c'était plutôt des westerns qui étaient plus postmodernes, sur le revival des westerns des années 70. On a plutôt pensé à ça, mais la vérité, c'est que nos références n'étaient pas vraiment des références de western, étaient plutôt des films qui tiennent un peu de l'ordre du conte, comme La Nuit du Chasseur a été pour nous une vraie référence pour ce film. Voilà, ici. Un microphone, s'il vous plaît, voilà, justement. Oui, on a beaucoup écrit que le film était prêt pour Cannes et qu'il avait été retenu pour des questions d'Oscar. Et je voulais savoir si dans quelle catégorie il allait. Est-ce que c'est un film français, film étranger, donc, ou est-ce que c'est un film américain? The question, I'm going to translate this just for John as a producer. He's saying that the film was perhaps held back from Cannes because of the race for the Oscars. Is that true? And if so, in what category would this film be? John? Qu'est-ce que vous avez dit, Thomas? Well, I think we applied to all the festivals we could as soon as the film was ready. We didn't hold it back from anything. As far as I am concerned, I certainly didn't.
Donc Johnny, ils n'ont pas du tout retenu du tout, en fait ils ont donné tous les festivals qu'ils pouvaient et voilà, ils ont lancé La chose qui se passait, excuse-moi John, la chose qui se passait c'est que comment le producteur c'est Anna Purna, c'est un programme de production américaine, ils n'ont pas du tout, vous dites la course aux Oscars, c'est pas la course aux Oscars, c'est les sorties, eux leurs sorties sont plutôt dans vers septembre, octobre, tout ça, donc effectivement ils ont préféré Venise, Toronto, say, so for the producer, it was more about the release date, and that's what determined when the movie was coming out. Yeah, the race for the Oscars, he doesn't. But is it a male? Ah, pour moi, oui, bien sûr, absolument, pour moi. So not a male from an étranger who would go in. Ici? Oui, j'avais une question pour les acteurs. Je voulais savoir l'appréhension, enfin, comment on aborde et on se prépare pour jouer deux frères, donc comment on essaye de jouer ce lien de fratrie, et puis comment on essaye d'intégrer Jack Gyllenhaal, qui lui, du coup, n'est pas du tout dans la fratrie, et du coup, comment on l'intègre à l'histoire et avec des liens qui sont moins forts. So a question for John and Joaquin for you. What's it like for you as actors developing, working toward this acting as brothers on screen? What's the process? How do you go about that? And how is it integrating Jake Gyllenhaal also into your quattro that ended up being formed with the four actors? Well, the process was trying to create a relationship that was as close as it is in the film, and that's difficult given that the characters have been spending every single moment of their lives together, sleeping in the same place every night. There's a real symbiotic relationship there, and they're very closely tied to each other. And so we were working at somewhat of a handicap, not really knowing each other before we made the film, but we spent a lot of time together in Spain there, walking together silently, just being with each other, and riding horses and shooting guns and doing all the things that we had to do to prepare. And then at different points, we also lived together while we were making the film, so I think both of us, I can't speak for Joaquin, but I felt a very similar bond to Joaquin by the end of the film as the brothers did, I think, without the murder. Oui. Okay. Donc il dit bien sûr, ça va être difficile d'avoir une relation aussi près que ses frères, parce que dans le film, bien sûr, ils passent tout le temps ensemble, à dormir ensemble, toute leur vie ensemble, et c'est un vrai symbiose entre ces deux personnages. Donc déjà, ils ont commencé à préparer, en fait, avec ce petit handicap, si vous voulez, mais au fur et à mesure, ils ont pu vraiment créer une vraie relation, ils ont passé beaucoup de temps ensemble en Espagne, à se promener ensemble, à faire du cheval, à tirer, etc. Et ils ont même vécu ensemble pendant un petit moment. Donc au fur et à mesure, à la fin du film, Johnny dit qu'il sent pour lui, il sentait un vrai lien avec Joaquin, il ne sait pas si c'est pareil pour Joaquin, sans le meurtre, bien sûr, mais sinon ils se sentaient très proches ensemble. Madame ici. J'ai une question pour M. Oguillard. Bonjour. Linda. Merci. Alors, vous avez eu l'occasion de travailler avec deux acteurs connus, et les acteurs qui entrent dans le cadre du cinéma mondial. Chez nous, moi, je suis yougoslave, et chez nous, en Europe de l'Est, en Sud-Est, on les connaît bien, et on les aperçoit. Alors, comment vous avez choisi ces deux acteurs? Parce qu'ils n'ont pas tout à fait... pour nous, M. Phoenix, il est un acteur plutôt contemporain. Il a reçu le prix à Cannes. Je veux dire, on le connaît quand même dans un cinéma et on le reconnaît dans un cinéma différent de western. Et M. Rey, bon, bah, lui, tout le monde l'adore. So he's asking about Jack and the choice of actors, saying she thinks you, Joaquin, have a much more sort of contemporary register. She sees you more in contemporary films, so wondering about Jack's choice for you. And saying for John, was just everyone loves John. Jack, what do you have to say to that? Comment le choix des acteurs, c'est d'abord, quand John C. est venu me voir avec le roman, avec le désir de jouer Eli, donc le personnage du frère aîné, ça me convient parfaitement bien. Et qu'après, très très vite, je ne sais pas, je crois que c'est John qui a cité le nom de Joaquin, je ne sais plus si c'est John ou moi, mais très très vite, on s'est entendu sur le fait que ce serait Joaquin. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de discussions. Yeah, Jack said there wasn't a lot of discussion. You came, you wanted to play Eli, you felt you were right for it at work, and one or the other of you. Ah, you got that from John. You don't agree? No, I don't agree. Okay.
No. The contract that we made with Jacques when we first met him and brought him this project was, please, if you love this book as much as we do, please take it and make the film that you see in this book. That includes total freedom with everything. Of course, I wanted to play Eli. It's the reason that we purchased the rights to the book. But even with that strong feeling about that character, I had to be willing to let Jacques, in the great French tradition of total freedom and artistic license for directors, I had to let him choose, make all the choices for the film, including my own role. And there was a moment when I was considered for another role, but luckily, another plan took shape. Voilà, donc Johnny dit en fait, dans le contrat, quand ils l'ont donné à Jacques, il a dit, si vous aimez le livre, faites-le, c'est le vôtre, vous avez la liberté totale pour le faire. Et bien sûr, moi je voulais jouer Eli, parce que c'est pour ça qu'on a acheté les droits, j'avais envie de jouer, etc. Mais je savais, mon producteur savait que dans la tradition de tous les grands réalisateurs français, il fallait donner la liberté totale pour tous les choix, même si moi je ne jouais pas Eli. Et il y avait même un petit moment, il dit, où on m'a considéré peut-être pour l'autre rôle, mais heureusement, ça ne s'est pas fait. Jack says he prefers your version. Mais Jack, c'est rigolo parce que quand on a fait un autre film ici avec Mélanie Laurent, dans l'opéra des actrices, qui a dit que c'était très frustrant pour elle de ne pas avoir du final cut. Vous avez eu ce même contrat ou non du tout? Vous avez pu avoir, vous, le final cut? Je ne comprends pas la question. Le final cut, vous avez tout d'abord. Non, je sais ce que c'est. D'accord. Okay. Très bien, aussi. Autre question, voilà. Peut-être, on va prendre le jeune derrière tout au fond. Bonjour. Je voulais savoir quels sont les enjeux pour un réalisateur français de faire un film en collaboration avec les Américains, que ce soit d'un point de vue culturel, économique et logistique. Et est-ce que vous pensez qu'un réalisateur français sensible au cinéma américain comme vous l'êtes peut-il conquérir un public américain et aussi par la même occasion avoir la vie de Monsieur Phoenix et Monsieur Harry? Merci. Okay, so the first one's about the stakes for a French director collaborating with America, Americans from a cultural, economic, and logistic standpoint. And the second part, how does it feel about being a Frenchie going to conquer America? Comme je disais tout à l'heure, je n'ai aucun désir de travailler aux États-Unis, parce que ce n'est pas quelque chose qui me réveille la nuit. En revanche, c'est vrai, j'avais le désir de travailler avec des acteurs américains, des actrices américaines. Je n'ai aucun désir de conquête du territoire. Il faudrait que je sois peut-être plus ambitieux, mais je ne peux pas dire que j'y pense énormément. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment répondre à ça. So Jack's saying again, he doesn't really have this desire to work in the States. He wanted to work with actors from America, but he doesn't want to conquer anything. Jack, pourquoi? Qu'est-ce qui vous impressionne? Well, if the French wait long enough, the Americans come to them. Ah. Just like right here on the beaches of Normandy. Les Français, si vous attendez aussi longtemps, les Américains viennent vers vous, comme ici avec les plages de débarquement. But Jack, vous avez dit que vous appréciez beaucoup les acteurs américains par leur présence, par leur jeu. Pourquoi? Parlez-nous un peu plus de ça. Je commence d'abord, c'est un peu délicat, j'en ai deux autour de moi, là. C'est un peu... Donc vous n'allez pas traduire. Non, c'est très... Comment... C'est que je pense qu'il y a... Je vais enfoncer des portes ouvertes. Mais disons que c'est un peu ce que j'ai vécu, c'est ce que je voulais constater. Je pense que c'est des généralités aussi. Les acteurs américains ont vraiment une culture du jeu de cinéma. Et nous, on est très... Voilà, par exemple, on emploie assez de manière assez indifférenciée, on dit acteur, comédien. Je crois que acteur de cinéma, c'est quelque chose qui est très très particulier. Ils travaillent beaucoup, Joaquin, Jean. Ils ont vraiment constitué un savoir du jeu cinématographique, de qu'est-ce que c'est que l'appareil, qu'est-ce que c'est que jouer devant un appareil, les distances, tout. Et donc, je crois qu'ils ont une très très grande conscience d'eux-mêmes quand ils jouent. Ça ne veut pas dire que des acteurs européens, parlons de ceux que je connais le plus, les acteurs français, ça n'est pas avec cette force-là, avec cette conscience surtout. Et c'est ce qui fait que quand ils entrent, ça existe, ça se dresse tout de suite très fortement. Et puis il y a une chose aussi que j'ai appris, c'est que
Nous, nous avons des voix de tête. Comment nous avons une langue qui est très très peu accentuée. Eux, ils ont une voix très en bas, et c'est une langue qui est très accentuée, très musicale, très chantante, très rythmée. Voilà. So the two big differences, he's saying, he feels American actors have a better self-awareness of how they are on screen. You can tell us later. Okay, I'll tell you later. But just pour rebondir là-dessus, j'avais une question encore là-dessus, parce que par exemple, Jake Gyllenhaal, dans son choix de façon de parler, c'est très particulier. Est-ce que vous, qui n'êtes pas anglophone, comment vous avez venu à ça? C'est une idée de Jake. On communiquait comme il travaillait, on communiquait par mail, et puis il voulait bosser son rôle. Et il a commencé à me poser des questions auxquelles j'étais absolument incapable de lui répondre. Il me tape à tout et il m'a dit que ça serait bien de trouver pour le passage de Maurice, qui est sophistiqué, de trouver quelque chose, un accent. Alors il a commencé à me dire comment ça parlait un jeune homme éduqué de la côte Est en 1850. Je ne sais pas, il a travaillé là-dessus, il a rencontré un linguiste de je ne sais pas quoi de Columbia. Ils ont travaillé comme ça. Il avait son scénario. Mais bon, bref, il avait toute sa partie de scénaristique vraiment dans cette espèce de en phonétique. Voilà, il avait toute sa partie en phonétique. Et donc, c'est ce qui fait que la système de préciosité, ça peut, en fait, c'est un anglais, c'est l'anglo-saxon 1850. Bonjour Jacques, je vous ai vu râler sur une vidéo concernant le système qui fait qu'il y a peu de femmes dans le cinéma français au poste important. Non. Qu'est-ce que vous répétez, pardon ? Au festival. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Je me souviens que vous avez râlé parce que le système faisait qu'il y avait beaucoup de danse. C'était que des hommes qui étaient là. Et donc, j'ai parlé des festivals. Oui. Oui, d'accord. Donc ça, c'était assez réjouissant à entendre. Et maintenant, je voudrais savoir quand est-ce que vous allez, vous, avoir envie de faire un film où les femmes seront majoritaires. Où ça? Dans un beau film. Non, mais majoritaire, où ça? Comme des personnages où vous... Non, mais attends. Voilà, c'est mal compris tout le temps. La question, c'est pas de savoir. Ah oui, faire un film avec des actrices. Non, des personnages. Bah, mes équipes sont... je sais pas s'il n'y a pas plus de femmes que d'hommes sur mes équipes, mais la question se pose... Là où je travaille, la question ne se pose pas. Et c'est pour ça que quand on est dans les festivals, on a l'impression d'être dans un vieux monde. Ma question, c'était un parallèle avec la situation. Ma question, c'est, vos personnages sont principalement des hommes, c'est des films virils, etc. Est-ce que c'est parce que vous êtes un homme vous-même que vous écrivez plutôt ce genre de... Vous allez plutôt faire ce genre d'histoire? Est-ce qu'un jour vous aurez envie de trouver des personnages féminins à défendre? Vous connaissez un peu ma filmographie? Oui. Sur mes lèvres, c'est... Oui, c'est vrai. Le rouillé d'os, c'est... Dites pas, c'est... Pardon. Mais c'est fou. Soit je fais des femmes très très puissantes, donc vous les oubliez. Visiblement, j'ai pas dit. Et des mecs qui sont quand même juste en dégouline. Vous retenez les hommes en dégouline. Jacques a très bien répondu sur son choix des acteurs américains. Est-ce qu'on peut demander aux acteurs américains ce choix d'un réalisateur français? So Jacques, before was talking about why he wanted to work with you guys, why did both of you want to work with Jacques? Was it his Frenchness, his Europeanness, his otherness? Well, I knew Jacques' films, and so it was a brilliant choice. And my wife and I were also looking for a director for the story that might have an objective point of view and wouldn't be so loaded down with this bullshit nostalgia that the Americans have about the West. So perhaps we could avoid some of the cliches we've seen in other Westerns. And, I mean, it was a leap of faith. Anytime you work with a director, it's a leap of faith. And if I could answer for Joaquin, he wanted to work with Jacques because I asked him to. No, it's because of the way that he talks about the characters. Voilà, donc Johnny dit qu'il connaissait bien les films de Jacques, et en fait, lui et sa femme voulaient absolument avoir un réalisateur qui
pourriez être objectif et surtout ne pas avoir ce côté nostalgie, cliché de merde, comme il dit, qu'on voit souvent dans les westerns qui sont faits par les Américains. Donc voilà, donc on cherche déjà quelque chose un peu en dehors. Et après, c'est en anglais, on dit a leap of faith, ça veut dire c'est comme un choix, un saut dans le vide. Et c'est toujours comme ça avec les réalisateurs, donc on a fait ce saut dans le vide. Et puis John, il dit, en fait, si Joaquin, si tu peux parler pour lui, il a fait parce que moi, je lui ai demandé de le faire. Et puis Joaquin, il ajoute en disant, non, c'est parce que Jacques, il a beaucoup parlé du personnage. Et c'est ça qu'il a souligné. Je suis désolée, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette conf. Merci.